une nouvelle vidéo. Et donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Super Mario Odyssey. J'espère que vous allez bien. Alors, non, malheureusement, je ne veux pas faire de let's play sur le jeu. Voilà, si vous dites ça, ben non, je suis désolé. Hein, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis un peu avancé dans le jeu. Mais il faut quand même, voilà, que je fasse une vidéo sur le jeu. Au moins, c'est obligé, hein. Mais comme dit, non, je vais pas faire de let's play parce qu'une fois de plus, il y a tous les autres youtubeurs, gros youtubeurs, qui vont faire de let's play sur le jeu. Et donc je me dis que ça vaut pas la peine que moi-même j'en fasse un vu qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Donc là, on va juste faire une petite vidéo, on va faire cette genre de pyramide là. La pyramide inversée. Donc là, on est dans le monde du sable, hein, voilà. Et donc on va faire cette pyramide inversée parce que il y a tout simplement le navire de Bowser qui se trouve juste au-dessus de cette pyramide. Voilà, on le voit un peu d'ici. Et du coup, il faut simplement qu'on gravit cette pyramide inversée là pour pouvoir atteindre Bowser au sommet et donc sûrement un boss. Et voilà, donc dans cette vidéo, on va tout simplement faire ça. On va faire cette pyramide, on va se faire le boss qu'il y a sûrement au-dessus. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite tenue. Voilà, je me suis acheté une petite tenue sympathique, hein. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on est, quand je fais cette vidéo, nous sommes le 27 octobre. Donc oui, j'ai acheté le jeu direct le jour de sa sortie, hein. Voici la jaquette elle-même. Voilà, vous la voyez pas du tout dans le noir, je sais, super. Mais bon, voilà, bref. Donc, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. J'espère que vous entendrez bien ma voix, que le son du jeu sera quand même assez fort. Donc je me suis pas spoil rien du tout, hein. Comme dit, c'est une découverte totale de ce jeu pour moi, c'est la première fois que j'y jouais et tout. Bon, j'avais bien sûr regardé les quelques vidéos que Nintendo mettait en ligne. Mais sinon, voilà, je le découvre en même temps que vous, là. Et donc, c'est parti, hein. Je suis jamais encore rentré dans cette pyramide. On va voir ce qui nous attend à l'intérieur de cette pyramide. Intérieur de la pyramide inversée. Ah, mais c'est pas inversé, c'est inversé. Très bien. Du coup, c'est parti. Donc, bon, voilà, hein. Vous connaissez la particularité de ce Mario, c'est tout simplement de pouvoir contrôler certaines créatures, hein, telles que les billballs et autres. Donc c'est parti, là on avance. Voilà, tranquille. Ok, donc une fois de plus, il y a un délire en 2D. Ils aiment ça, hein. Dans ce Mario Odyssey là, ils aiment faire beaucoup de trucs en 2D. Plein de clins d'œil comme ça au premier Mario. Et c'est sympathique, c'est sympathique. Donc c'est parti, hein. On va gravir cette tour. Cette tour, cette pyramide inversée plutôt. Donc là, c'est un délire voilà, c'est un délire de trucs comme ça, ok. Donc c'est parti, voilà, on avance tranquille. Rien de bien compliqué pour l'instant. En tout cas, c'est assez drôle là. Ok. Donc là, il va falloir faire attention. Voilà, on est des fous, on prend les pièces. On va vite se remettre à l'abri. Voilà. Hop là, c'est bon, je suis vite redescendu. On va repasser par là, voilà. Donc on avance tranquille, hein, rien de fou. Ok, ah donc du coup on est ici. Je voyais cet endroit en 2D, je le voyais dehors. Eh ben, on a réussi à y aller du coup. Donc on avance, hein, tranquillou. C'est vraiment stylé, avec la tenue et tout en 2D, c'est vraiment stylé. Ouais, attention le petit Goomba là, on l'esquive. Voilà, donc on écrase les Goombas, rien de bien compliqué. On avance tranquille, hop, on passe dans le tuyau. Donc là j'avance assez vite, hein, j'avance assez vite parce que bon, c'est rien de fou pour l'instant. Ah, ça c'est drôle ça, regardez-moi ça, vous avez vu les billballs en 2D et là, poum, il repasse en 3D. Et donc, voilà, je parie qu'il faut faire ça, d'accord. Là il va falloir encore chercher un des billballs. Alors s'ils veulent bien. Voilà, merci, hein, par ici mon petit. Donc hop, voilà, donc là on reçoit de la vie en plus, donc ça pue le boss. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, ou même en mettant un petit pouce bleu, si vous voulez Super Mario Odyssey, hein, si vous voulez que je fasse plus de vidéos, ou comme dit, je vais affronter des boss et compagnie, ou faire des endroits spéciaux du jeu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou tout simplement en mettant un petit pouce bleu qui fait plaisir. Hein. Et au moins, si c'est le cas, eh ben, je continuerai à faire des petites vidéos comme ça sur le jeu, quoi, tout simplement.
Mais en tout cas, je suis direct allé à l'ouverture de Cultura, je suis direct allé l'acheter et tout, et là je peux enfin jouer à ce magnifique Mario et c'est un putain de kiff. Hein. Donc c'est parti, on est déjà au bout de 5 minutes même pas, on est déjà au sommet de la pyramide, très bien. Donc c'est parti, boss, je me demande ce que c'est comme boss, peut-être Bowser, je ne pense pas, mais on va voir. Ah bah non, c'est encore eux. Ça c'est les nouveaux méchants, là, des genres de lapins dégueulasses. Vous cherchez la bague de Nyon, les Minus. Ah, fallait se lever plus tôt. Le boss est déjà parti avec. Enfin, il est déjà passé plutôt. Et ça sert à rien de s'obstiner, vous n'êtes toujours pas invité au mariage. Ah oui, parce que Bowser a kidnappé Peach pour se marier avec elle, hein, voilà. Donc c'est parti, un petit boss comme ça, très bien. Je m'attendais à quelque chose de plus épique, mais bon. Donc attendez, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle nous balance des boules piquantes, est-ce qu'on peut les prendre? On peut lui renvoyer, très bien. C'est des bombes, on peut lui renvoyer si on veut. Bon, elle fait quoi? Elle fait quoi? Voilà, voilà, nickel. Allez, on lui a fait mal, là, il faut sauter dessus. Voilà, nickel. Un coup. Ok, donc là, elle pète un plomb. Donc ça, c'est le genre de lapin bizarre, il remplace les... Il remplace les petits sbires de Bowser qu'il a d'habitude. Pourquoi des lapins? Je ne sais pas. Ok, donc là, elle nous balance ces petites bombes, là. Est-ce qu'on peut lui faire quelque chose? Non, non, il faut vraiment attendre que... Il faut attendre qu'elle sorte les grosses bombes. Ok, il balance. Très bien, pourquoi il balance là-bas? Vas-y. Ah merde, il faut le balancer dessus. Bon, rien de bien compliqué, elle n'a pas encore touché. J'espère qu'elle va un peu se vénère après parce que là, c'est vraiment pas compliqué pour l'instant. Allez, vas-y. Pourquoi elle lance par là, putain? Allez, mais genre, je l'ai pas eu. Ah, elle vient bien chiante là. Allez, c'est parti. Vas-y, balance ta grosse truc. Ou tiens, voilà, bouffe ça, voilà, c'est encore mieux, tout simplement. Au lieu de me casser la tête. Allez, hop. Allez, bien sûr, il faut un troisième coup, hein, comme dans tous les Mario. Toujours trois coups, hop. Là aussi, on la défonce avant qu'elle fasse toute sa merde. Donc, rien de bien compliqué, voilà, quand on a le truc. En fait, c'est voilà, c'est dès qu'on a le truc, ça va très vite, hein, voilà. Donc c'est bon, je t'ai éclaté la gueule, espèce de lapin dégueulasse. Et là, on obtient les lunes, parce que oui, dans ce Mario, vous savez peut-être déjà, mais c'est pas des soleils qu'il faut récolter, ni des étoiles, c'est des lunes, hein, voilà. Et donc, on a obtenu 3 lunes d'affilée, donc ça, ça fait plaisir, on va dire. Nickel, une multilune. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ouais, c'est dingue, hein. Ce jeu, franchement, pour l'instant, il est topissime. Il y a tellement d'endroits à visiter, il y a tellement de choses à faire. Oh, eh ben, what the fuck? Et voilà, ben, la pyramide, elle va se remettre à l'endroit, non? Elle va se remettre à l'endroit, la pyramide, non? Oh! Ah non, elle a libéré un passage vers un autre endroit. Vous voyez, c'est ça qui est stylé dans ce putain de Mario. C'est ça qui est trop stylé. Cette fichue broudale nous a un peu ralenti, mais rien de bien grave. On continue d'engranger les lunes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La pyramide flotte dans les airs. Il fait encore plus froid qu'avant. Tu crois que cette crapule de Bowser est derrière tout ça? Ouais. Moi, je pense plutôt que... Parce que, comme vous pouvez le voir... Ah ouais, il y a enfin une musique et tout. Ah, ça a l'air tellement mystérieux. Regardez-moi ça, Mario il caille. Parce qu'en fait, on est dans un désert ici, mais le désert, mystérieusement, a été gelé. Regardez, il y a de la glace partout et tout. Donc, c'est quasiment sûr maintenant que ce problème de froid vient de la pyramide, quoi. Genre là-bas, il y a un trou qui s'est... What the fuck, c'est quoi ça? Ok, de nuit, on s'est attaqué par des genres de momies. Putain, c'est vraiment trop stylé, hein. Et donc ouais, c'est ça qui est bien les gens, c'est qu'à chaque fois qu'on bat un boss ou autre dans un monde, et bien ensuite après, il y a plein d'endroits dans le monde qui se débloquent, et on peut y aller quoi, tout simplement. Oh ouais, il y a trop de monstres là. Genre, il y a des endroits qui sont bloqués, on sait pas comment y aller, et bien dès qu'on bat le boss, et bien tous ces endroits qui étaient bloqués, et bien ils se débloquent.
Et du coup après ça fait qu'il y a toujours des choses à faire. Regardez-moi ça, il y a une lune là-bas. Faudra essayer de trouver un moyen de l'atteindre. Pour l'instant je sais pas comment, mais voilà. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Le monde il est vaste, il y a plein de monde comme ça. Il y a plein de trucs à faire à droite et à gauche. Des combats à un boss. Il y a des trucs qui se délivrent. Là par exemple vous avez vu, vous entendez pas la musique, mais il y a une genre de musique un peu mystérieuse, glaciale, genre vraiment il fait plus froid qu'avant quoi. Donc de base je voulais faire la pyramide et ensuite m'arrêter là après le boss, mais on va quand même voir ce qu'il y a dans ce trou ensemble. Il y a sûrement quelque chose dans ce trou, mais je n'ai pas le courage d'y sauter. Eh Mario lui, il a toujours le courage, on va tout simplement aller voir ce qui se trouve dans ce trou. Et je pense savoir, parce que j'ai vu quelques, comme dit, on nous a mis quelques vidéos Nintendo. Et donc je pense savoir qui serait à l'origine de ce froid. Je pense savoir c'est qui peut être à l'origine de ce froid dans le désert. Mais on va bien voir ça, hein, tout simplement. Donc c'est parti. Donc là, voilà, là on active les petits rayons là, qui nous permettent de défoncer. Ah, c'est vrai qu'on peut prendre les Goombas. C'est vrai ça, c'est la première fois que je contrôle un Goomba. J'ai jamais contrôlé Goomba depuis. Donc ça c'est cool, c'est parti. Regardez-moi ça les gens, mes dents. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu un Mario? On peut être un Goomba quoi, c'est un truc de fou. Voilà, ça c'est bien ce que je me disais. Je savais qu'on pouvait faire ça. Donc c'est parti. On avance tranquillou. Ah, il faudrait essayer de prendre ça là. Mais moi en fait, là, j'ai envie de faire ça plus tard. Là, j'ai envie de voir en fait. Super, GG. J'ai juste envie de voir ce qu'il y a à la fin de cette grotte. Et seulement après, pour qu'on se laisse là en fait. Désolé hein, si je dis un peu n'importe quoi et tout, mais là je fais cette vidéo, on va dire, un peu à l'improviste. Donc là, en fait, j'ai juste envie d'aller au bout de ce tunnel là, de cet endroit, pour voir ce qui s'y cache quoi. Pour voir c'est quoi qui fait ce froid dans le désert quoi. Qui est l'auteur de ce froid? Donc on va y aller tout de suite. Là tout ce qui est lune verte et compagnie, j'irai chercher ça de mon côté en vidéo. Mais là pour l'instant j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cet endroit quoi. Parce que je pense savoir qui est responsable de ce froid. Et donc je pense qu'il y a un boss à la fin de ce tunnel là. C'est quasiment sûr pour moi, il y a un boss. Et du coup j'ai envie qu'on le fasse en vidéo. C'est pour ça que j'ai envie de vite sprinter quoi, tout simplement. Voilà, c'est parti. Alors attention, lui il a un chapeau, ça veut dire que il faut lui mettre voilà deux coups. Et là on fonce, allez on fonce à toute vitesse. On va s'arrêter là, voilà. Donc c'est parti. Comme dit, on va se faire le probable boss qu'il y a à la fin de ce chemin, on va dire. Ok, nickel. Donc c'est parti les gens, on va voir ce qui se cache dans cette ombre. Allez, c'est parti. Au fond du fond. Voilà, ouais, c'est bien ce que je me dis. Regardez là-dessus là, vous voyez cette grosse tête là? Eh ben ça c'est un des boss. Malheureusement je sais que c'est un des boss parce que ils nous l'ont montré. Ils l'ont montré plein de fois dans les trailers et tout. Donc c'est pour ça que je m'en doutais. Avec les statues et tout là, je m'en doutais que c'était celui-là. Et donc là on va vraiment affronter le boss des boss. Le boss qui est du coup responsable de ce froid dans le désert. On va l'affronter pour pouvoir tout simplement réchauffer le désert. Waouh, voilà. Ces fameux points. Et donc le boss que tout le monde connaît quasiment. Mon anneau, où est-il? Ah oui, bah oui, du coup, bah aussi, il s'est barré avec l'anneau. Et du coup, il croit que c'est nous, bien entendu. Alors, attendez. Oh, attends, il m'est cher, là. Waouh, je suis où? Ok. Nickel. Pour accélérer, appuyez sur... Ok. Oh, il m'est cher, ok, bon. Là, je galère un peu, parce que, comme dit, c'est vraiment découverte totale. Hein. Je sais pas comment faire encore. Donc attendez, vas-y, voilà, essaye de me défoncer. Je prends le contrôle, et là, il faut l'éclater. Boum, voilà, comme ça.
Qu'est-ce que tu dis de ça? Allez, allez. Espèce de Bouddha chelou là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là là. Aïe aïe aïe. Attendez, il y a un cœur ici, on va aller chercher. Oh oh. Oh putain, non, mais non, pas de game over pour contre un boss. Oh, et vous savez vous-même que je déteste ça. Mais en tout cas, ouais. Oh putain, non, on recommence là et tout. Donc oui, en plus, celui-là, là, le boss, on voyait sa tête, enfin, on voyait son chapeau sortir du sol. Et du coup, je savais que le boss était dans les parages, quoi, tout simplement. D'accord, je fais de la merde, désolé, hein. Comme dit, je suis vraiment désolé, là, je fais de la merde, je dis n'importe quoi, mais comme dit, de base, j'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo, mais je me suis dit, écoutez... Un peu de Mario Odyssey sur la chaîne, hein. Surtout que le jeu vient de sortir, mais en mode voilà, sérieux, essayez de pas faire le con. Et on va le défoncer, quoi, tout simplement. Allez, maintenant tu fonces. Voilà. Allez, on le défonce maintenant, là. Fini de rigoler. On passe la cinématique, on l'a déjà vu. Vas-y, voilà, écrase-toi. Voilà, donc là il nous montre bien qu'on peut prendre possession, voilà. Là, on sprint. Boum. En tout cas, c'est vraiment stylé ce gameplay de pouvoir contrôler les choses, les créatures, voilà, les objets, c'est vraiment trop stylé. Donc là, tu m'as raté, parce que là, cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir comme une merde, comme avant. Vas-y. Voilà, fais-moi ta petite attaque comme avant, je m'en fous. Vas-y, éclate-moi ton point, au moins je le prends. Et là, je vais te foncer dessus. Boum! Joli, ouais, je sais, je suis trop fort. C'est pour ça que je me suis pris un game over juste avant. Allez, je pense plus qu'une fois. Si c'est le fameux 1-2, enfin, si c'est le fameux 3 coups de Mario, normalement plus qu'une fois et c'est fini. Ah ouais, en plus Nintendo, on sait très bien qu'ils adorent les boss avec des mains. Donc là aussi je pense que c'est une petite référence à tous les boss avec des mains qu'ils ont créés. Sur Nintendo ils adorent faire ça, des boss avec des mains et tout. Ils adorent. Vas-y, ah j'arrive pas. Allez nice, c'est parti. Donc là on esquive ces morceaux de glace, boum. Et c'est la fin, on a défoncé la statue. Et désolé mec, mais c'est pas moi qui a pris ta bague, c'est Bowser qui s'est barré avec. Mais bon, vu que tu as pas voulu m'écouter, hein, écoute. Hein. Et donc, on obtient encore une... Comment ça s'appelle nouveau? Une triplée de lune. Nice, une multilune, voilà, c'est ça. Donc voilà, bah super les gens, moi qui pensais qu'au début je voulais faire, enfin moi au début je voulais juste faire la pyramide inversée et le boss qu'il y a au sommet de la pyramide, mais je savais pas qu'il allait avoir ce boss là. Donc écoutez, tant mieux, voilà, vous aurez eu une vidéo sur Mario Odyssey avec deux boss du coup. Puis si vous cachez la chaleur, le désert a retrouvé son état normal on dirait. On tient le bon bout, continuons sur notre lancée et rattrapons Bowser. Est-ce qu'on a assez de lune de puissance? Ouais. Oui, on a assez de lune, mais je vais d'abord faire le ménage dans ce monde avant de partir. Hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai à faire avant de changer de monde. En tout cas, voilà les gens, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Hein, donc, première vidéo sur Mario Odyssey. Comme dit, dites-moi en commentaire ou en mettant un pouce bleu si vous voulez que je fasse deux vidéos comme ça. Où je fais des boss, où je vais dans des endroits spéciaux et tout. N'hésitez pas à le dire, comme dit, je ne ferai pas de let's play parce que il y a plein d'autres youtubeurs qui le font, donc ça sert à rien que je le fasse moi aussi. Mais voilà, juste faire des boss ou juste aller dans des endroits, vous me le dites et je ferai ça avec plaisir. Hein. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, on aura fait deux boss, ce qui est vraiment cool. Et puis voilà, donc les gens, vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus !